Si c'est à moi, je connais. Donc ça n'a pas de mystère pour moi. Cela est vrai pour beaucoup de choses, mais pas pour la vie. Vivre, c'est toujours à découvrir. La vie, on ne connaît jamais. Ça a beau être la mienne, j'ai beau dire ma vie, c'est toujours encore, non pas une chose que je possède, mais quelque chose que j'essaye de rejoindre. C'est d'ailleurs merveilleux que vivre soit une réalité inépuisable, qu'il n'y ait jamais dans la vie de point d'arrivée, mais seulement des points de départ. Que jamais, nulle part, je puisse dire « cette fois j'y suis, j'y reste ». Mais qu'aussitôt, une force, une voix m'appelle plus loin, plus profond. L'art de vivre, ce n'est pas l'art d'arriver. L'art de vivre, c'est l'art de se laisser relever, de se mettre en route vers toujours plus de plénitude. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin une nouvelle fois pour recevoir de lui la force, la paix, l'espérance. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce culte du matin. Bienvenue à vous si vous êtes ici pour la première fois ou en visite. Soyez particulièrement les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. Je viens de voir que j'ai oublié de mettre mon rabat. C'est un scandale. Je m'éclipserai pendant le prochain chant. Cela ne nous empêche pas de dire ensemble la louange avec le psaume 31 que vous trouvez sur votre feuillet et que je vous invite à dialoguer. Vous direz les phrases décalées sur la droite. Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, que je ne sois jamais déçu. Libère-moi par ta justice, tends vers moi l'oreille, vite, délivre-moi. Pour l'honneur de ton nom, tu me conduiras et m'y guideras. Tu me dégageras du filet tendu contre moi. Car c'est toi, ma forteresse. Je hais ceux qui tiennent aux vaines chimères. Moi, je compte sur le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous tous et fidèles. Soyez forts et prenez courage. Vous tous qui espérez dans le Seigneur. Amen. Et nous chantons au cantique 382, les strophes 1, 2 et 4. Seigneur,
Avec le lépreux qui s'est approché de toi et qui est tombé face contre terre, je veux dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Avec le centurion dont le serviteur est malade, je te redis, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot. Et moi, mon serviteur, sera guéri. Avec Pierre qui marche sur les eaux avant de s'enfoncer, je te prie, Seigneur, sauve-moi. Avec l'aveugle Bartimée qui crie malgré ceux qui veulent le faire taire, je te crie moi aussi, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Tous ces cris que nous entendons dans l'Évangile, nous voulons maintenant les faire nôtres. Nous voici devant toi, Seigneur, comme tous ces malades de l'Écriture. Souviens-toi de nous, aie pitié de nos fragilités, de notre incrédulité. Seigneur, sauve-nous. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Disons notre confiance en la bienveillance de Dieu et son infini pardon, force de relèvement, avec les mots de ma collègue trop tôt disparue, Anne-Christine Menu-Lecourt. Prions. Que je m'exerce, Seigneur, à regarder à toi en toutes circonstances. Quand ça va mal, dans les moments d'orages intérieurs ou dans les jours de ciel bleu. Que je n'oublie jamais que tu es au-dessus de toutes mes difficultés et que tu as traversé toutes les étapes de la vie. C'est toi qui m'ouvres un chemin quand les obstacles semblent trop durs à franchir. C'est toi qui me mets à l'abri, qui me donne le repos. Si tout vacille autour de moi et en moi, toi tu restes le même, fidèle et constant. Tout au long de cette journée, Seigneur, que je m'exerce à regarder à toi en tout temps, à confesser dans mon cœur ta présence bienveillante. Seigneur mon Dieu, béni sois-tu, toi qui es le même hier, aujourd'hui, toujours. Amen. Et je vous invite à prolonger notre louange par le chant, en prenant cette fois le cantique 386, dont nous chantons les strophes 1, 2 et 3. Seigneur,
nous te le demandons. Rends-nous réceptifs à ta parole. Donne-nous ce matin d'entendre ton évangile comme un brin d'espérance, comme une lumière au fond de la nuit, comme cette main que tu nous tends pour nous relever. Ta toute-puissance, Seigneur, est celle de l'amour, et tu la mets en œuvre toujours et encore pour me rejoindre au creux de ma faiblesse. Puisse ta parole me redire combien, à chaque instant, je peux compter sur toi. Amen. Et nous lisons dans Marc 10. Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appelle l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je retrouve la vue !» Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé !» Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. À cette histoire de l'aveugle Bartimée que ne l'avons-nous pas entendu maintes fois, c'est souvent un des vieux, plus vieux souvenirs d'école du dimanche, de culte de l'enfance, un must de la Bible. Une des rares histoires de miracles, du reste, dont le bénéficiaire est clairement identifiable, Bartimée, le fils de Timée. Et c'est suffisamment rare pour que certains aient émis l'hypothèse que si ce nom est ainsi resté dans la tradition, c'est qu'une fois guéri, Bartimée a dû jouer un rôle dans la première communauté chrétienne. Peu importe finalement. Ce qui est intéressant, c'est que si ce texte donne force détails sur le personnage, sur le lieu, une seule chose n'est absolument pas décrite, et vous l'aurez remarqué, c'est le miracle lui-même. Comment Jésus s'y prend-il? Comment est-ce que cela se passe? Quel geste fait-il? Que dit-il? On n'en sait rien. Ce qui est vrai pour la plupart des miracles, l'est de manière encore plus flagrante pour celui-ci,
Ce n'est pas la manipulation qui compte, mais comment ça se passe, ni comment ça se passe, mais c'est l'effet produit par le miracle qui est important. Le changement pour Bartimée est radical. Il était assis, mendiant, aveugle. Le voilà désormais debout, clairvoyant et marchant à la suite du Seigneur. La question que Jésus lui pose peut du reste un peu surprendre. Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Posée à un aveugle, la réponse semble évidente, qu'il retrouve la vue. Mais derrière la question, il y a plus que la question. Car Jésus voit bien que Bartimée ne voit rien. Jésus aurait pu finalement le guérir comme ça, presque en passant, sans s'arrêter, en claquant des doigts. Les yeux de Bartimée auraient à nouveau fonctionné, mais derrière la guérison des yeux, il y a évidemment plus qu'un simple geste thérapeutique. Il y a le relèvement de toute une personne. En lui posant ainsi la question, Jésus associe Bartimée à sa guérison. Bartimée devient ou redevient en quelque sorte l'acteur de sa vie, lui qui jusqu'alors n'était qu'un mendiant, assis, totalement dépendant des autres. Le vrai miracle de cette histoire, c'est non seulement évidemment le recouvrement de la vue par Bartimée, mais c'est bien plus que cela. Alors qu'il était seul, abandonné, sans espoir, sans perspective dans sa vie, il redevient à travers la rencontre fortuite du Christ qui passe sur son chemin, il redevient maître de sa propre vie. Si la cécité l'avait en quelque sorte dépossédé de lui-même, la rencontre avec le Christ lui redonne non seulement la vue, mais plus encore une vie digne, libre, irresponsable. Mais il nous faut aussi nous intéresser à la foule et aux disciples dans cette histoire qui, une fois de plus, n'ont pas forcément le beau rôle. Nous sommes avec ce récit juste avant l'arrivée de Jésus à Jérusalem pour les rameaux. C'est important de le mentionner car on mesure immédiatement toute l'ambiguïté de la position de la foule qui suit Jésus, à la fois enthousiaste mais on le verra fragile. Et les disciples ne sont pas très éloignés de la foule, dans leur attitude, à la fois dans leurs élans, mais en même temps leur infidélité, dans leur foi naissante, et en même temps dans leur incompréhension persistante. On le voit dans ce passage où les disciples et la foule commencent par rabrouer Bartimée. C'est vrai qu'il a le culot de déranger Bartimée. Quel manque de respect! Déranger le fils de David par ses cris intempestifs. Si en plus d'être aveugle, il pouvait être muet, ce serait encore mieux. Mais Bartimée ne se laisse pas faire. Il crie et crie de plus belle. Plus que le bruit que les cris de Bartimée provoquent, ce qui dérange, je crois, la foule, c'est le fait que Bartimée ne reste pas à sa place. Il est mendiant, il est aveugle, soit qu'il reste mendiant et aveugle. Ne dit-on pas encore aujourd'hui, chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. C'est la pensée de la foule. Bartimée est mendiant, qu'il le reste et ne dérange pas l'ordre établi. Cette manière de penser a profondément marqué les esprits. Elle est inspirée du reste par la philosophie stoïcienne qui encourage chacun à chercher à accepter, mais plus encore à aimer ce qui nous arrive et en quelque sorte à ne pas se révolter contre ce fatum, ce destin qui parfois nous tombe dessus. L'attitude de la foule dans cet épisode doit nous questionner sur notre attitude aujourd'hui. Nous sommes souvent comme cette foule d'alors, cherchons-nous qui cherchons à
suivre Jésus, à marcher à sa suite, mais sommes-nous certains d'être toujours les bons ambassadeurs de la réconciliation, selon la belle formule de Paul, les bons témoins qui permettent à ceux et celles que nous rencontrons sur le chemin de vie de se rapprocher à leur tour du Christ et d'entendre cette parole de vie et de relèvement? Ou ne sommes-nous pas parfois, malgré nous peut-être, inconsciemment, comme cette foule qui empêche Bartimée de s'approcher du Christ? La foule, dans un premier temps, fait effectivement barrage. Et nous? Sommes-nous toujours des ponts, des facilitateurs, ou ne risque-t-on pas, nous aussi, d'être parfois obstacles à la rencontre du Christ? Nous le sommes peut-être lorsque, comme la foule, nous sommes dans l'acceptation des situations. Face à la résurgence de certains courants fascistes que nous croyons appartenir à l'histoire, lorsque nous voyons la violence des autocrates s'abattre jour après jour sur des foules meurtries, la misère des populations, mais encore, lorsque nous sommes résignés au déclin de nos églises en Occident, lorsque nous acceptons que la culture et la tradition chrétienne soient malmenées dans la presse, lorsque nous prenons pour acquis et normal l'indifférence du plus grand nombre et même parfois de nos plus proches à l'égard de cette parole qui pourtant nous fait vivre et aurait tant à offrir à ceux que nous aimons. Oh, je le sais, pour le vivre moi-même, ce n'est pas facile. Et justement, parce que ce n'est pas facile, parfois précisément par facilité, on se contente de cette situation. On l'accepte. Et par notre acceptation, plutôt que d'être des ponts, des facilitateurs, nous devons bien malgré nous des obstacles à la proclamation de la parole. Bartimée, lui, n'est pas stoïcien. Il n'est pas dans cette spiritualité de l'acceptation. Il est dans la spiritualité de la contestation, à l'image de Job, qui en appelle à Dieu contre Dieu, ou du psalmiste, notamment dans le psaume 13, « Jusqu'à quand m'oublieras-tu toujours » prie-t-il au Seigneur. Il ne se contente pas de sa situation. Il crie, il interpelle, il proteste. En quelque sorte, Bartimée est le premier protestant. Intéressant, du reste, de voir ce que lui dit Jésus. « Va, ta foi t'a sauvé. » Mais c'est quoi la foi de Bartimée? Il n'y a aucune confession de foi proprement dite de Bartimée. Il ne fait que saisir l'opportunité, l'occasion qui lui est donnée par le passage, par hasard, de Jésus sur son chemin. Ce que Jésus souligne, ce n'est certes pas le caractère opportuniste de Bartimée, mais bien plus son obstination. Son obstination dans la confiance en Jésus, malgré la foule qui cherche à le faire taire. Et à cette volonté d'être un homme debout, malgré les obstacles, Jésus répond. Grâce à son obstination, non seulement il va pouvoir être relevé à tous les sens du terme, mais plus encore, il va, à travers son obstination, permettre à la foule et aux disciples, eux aussi, de changer et d'évoluer. Ils sont d'abord obstacles, en le maintenant à distance, dans sa situation. Mais d'empêcheurs, ils vont devenir, eux aussi, collaborateurs du miracle. Après avoir cherché à le faire taire, les voilà s'adressant à lui avec cette parole absolument magnifique et si pleine d'espoir, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Magnifique. Il n'y a pas que Bartimée qui sort de son aveuglement à travers ce récit. Les disciples eux-mêmes sont guéris de leur aveuglement.
Pour Bartimée, une nouvelle vie va pouvoir commencer. Mais ce n'est pas simple. C'est même un pari risqué. Avec tous les guillemets de prudence qu'il faut mettre, on peut même dire qu'à certains égards, Bartimée va, par le miracle dont il est béni, devoir sortir d'une situation confortable. Il était connu, reconnu, comme le mendiant, celui du bord de chemin. Ce n'était pas un statut enviable, certes, mais c'était un statut quand même. Tout le monde le connaissait, et il avait un gagne-pain. Guéri, relevé, libéré de sa cécité, il perd du coup son statut et tous ses repères. Il va devoir se réinventer une vie nouvelle. C'est magnifiquement et symboliquement illustré par l'image du manteau qu'il abandonne au bord du chemin. Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et va vers Jésus. Le manteau, c'est ce qu'il protège, lui donne son identité, lui permet d'être reconnu. Le rejetant, c'est une manière de signifier qu'il est prêt à changer de statut. Abandonner son vieux manteau, c'est abandonner sa vieille vie et être prêt à marcher à la suite de Jésus dans l'inconnu d'une vie nouvelle, pleine d'incertitudes et de nouveautés, mais aussi riche de promesses et de défis. Il croit, malgré les apparences, voire même peut-être ses craintes, qu'un autre avenir est possible pour lui, grâce à la rencontre fortuite du Christ dans sa vie. Et ce texte est pour nous à plus d'un titre plein d'espoir, mais il est aussi interpellant. On peut se demander d'abord en communauté, en Église, si nous n'avons pas, nous aussi, de vieux manteaux un peu trop lourds et qu'il serait temps de laisser au bord du chemin. Parfois, comme Bartimée aurait pu le faire, nous nous plaçons dans une position victimaire. Nous sommes comme Bartimée, contraints de crier pour qu'on nous entende. Nous sommes constamment entravés par la foule dans notre volonté de témoigner. Nous sommes laissés au bord du chemin. Et cela est parfois décourageant. C'est aussi, et attention là encore, avec beaucoup de guillemets, finalement assez confortable. Car dans cette situation, ce n'est finalement pas ma faute. La situation est celle qu'on subit. On n'y peut rien. On n'y est pour rien si le christianisme s'effondre et notre Église avec. Nous devons accepter cette situation et faire avec, nous taire. Ou alors, nous pouvons devenir comme Bartimée, des protestants qui n'acceptons pas sans réagir cette situation désolante. Comme Bartimée, personnellement et communautairement, nous sommes appelés à sortir de nos enfermements, à oser abandonner nos vieux manteaux pour plonger dans un inconnu, certes plus inconfortable qu'une situation peu enviable, mais néanmoins rassurante car connue, plus inconfortable certes, mais seule, riche d'espoir et de relèvement. Que l'on soit malade ou pas, nous sommes invités à dire devant le Christ notre désir profond. Et cela me fait penser à ce que nous vivons en communauté lors de ces cultes renouveaux et guérisons, lorsque des personnes, pour des raisons très diverses, ont le courage de se lever pour aller chercher la bénédiction de Dieu sur leur vie. Une démarche qui est loin d'être évidente, courageuse à certains égards, et qui témoigne de cet espoir de relèvement. Car oui, la rencontre avec le Christ est source d'espoir et de relèvement. Et jamais le Christ nous veut bloquer dans nos enfermements. Toujours devant nous, il veut ouvrir un chemin de vie. Mais pour cela, il y a un risque à prendre. Il faut se lever et rejeter nos vieux manteaux pour redevenir pleinement les acteurs de notre vie personnelle et communautaire dans la confiance à la suite du Christ.
Cette belle parole, elle est pour chacune et chacun d'entre nous ce matin, mais aussi pour notre communauté et notre Église. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Amen. Je vous invite à vous associer dans la prière à cette confession de foi. Nous croyons en Dieu, malgré les apparences et sa discrétion, nous croyons qu'il est présent. Malgré les prétentions de notre intelligence et les révoltes de notre cœur, nous croyons qu'il est notre Père. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons qu'il nous parle aujourd'hui. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons qu'il dirige nos vies. Malgré son exécution et sa mort sur une croix, nous croyons qu'il est vivant. Nous croyons au Saint-Esprit. Malgré nos échecs et nos incertitudes, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré nos divisions et nos rancunes, nous croyons qu'il nous ouvre au pardon. Malgré la mort et ce qui tue l'humain, nous croyons qu'il nous relève et nous fait vivre à jamais. Amen. Et nous voulons prolonger cette confession de foi par le chant que vous trouvez dans votre feuillet, « Croire à tes promesses ».
Je vous invite à un temps maintenant d'intercession et je souhaite l'ouvrir, que chacune et chacun se sente libre de prier dans le secret de son cœur ou de partager à haute voix une intercession pour la communauté. Prions. Seigneur notre Dieu, trop souvent par découragement, par impuissance, par lassitude, nous nous contentons du monde qui est autour de nous. Pourtant, empreint de tant d'injustice, de violence, Seigneur, donne-nous parfois le courage de poser nos vieux manteaux pour oser ne pas nous satisfaire du monde. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Toi seul, à l'image du miracle de la multiplication des pains, est capable de multiplier l'effet de nos petits commencements. Alors, renouvelle notre volonté, notre audace, notre courage, pour être chaque jour davantage des témoins protestants, des témoins combatifs, des témoins porteurs d'espérance, et des artisans de paix dans ce monde. Alors oui, Seigneur, la liste serait hélas si longue si nous voulions t'adresser tous ces lieux de misère pour lesquels nous sommes en souci. Tant de lieux de violence. Nous te prions pour nos communautés sœurs au Liban, et tout le peuple libanais. Nous te prions pour nos communautés sœurs et tout le peuple en Cisjordanie, dans tant de pays. Nous te prions pour notre communauté sœur à Goma, avec lequel nous sommes en lien. Te rendons grâce pour le travail si courageux de notre communauté sœur et de tous ceux qui se battent dans des situations tellement difficiles. Renouvelle en eux leur courage. Et Seigneur, partout et encore, suscite parmi nos dirigeants et nos dirigeantes des artisans de paix capables de voir au-delà du temps court de leur réélection pour être vraiment des artisans de paix à long terme. De même pour nos églises, donne-nous de ne pas avoir la crainte du temps court, mais d'oser regarder au-delà pour construire des communautés qui demain encore seront témoins de ta parole. Oui, Seigneur, nous te le demandons. Entends notre prière. Nous te prions encore pour celles et ceux qui nous sont chers, que nous aimons tendrement. Accompagne-les, soutiens-les dans tout ce qu'elles ont à vivre de beau ou de plus difficile. Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les familles et tous les jeunes de notre communauté. Puissions-nous être pour ces familles et ces jeunes vraiment ces témoins qui leur permettent de découvrir combien dans tout ce qu'ils vont avoir à vivre, tu seras leur soutien quotidien. Et toutes nos prières, Seigneur, nous les réunissons
dans celle qui fait de nous les enfants d'un même Père. Nous sommes ensemble, toutes les communautés, de toutes les confessions, unies par cette même foi et dans cette même prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Quelques petites annonces arrivées bientôt au terme de ce culte matinal pour vous dire que ce soir, le culte avec Sansen sera présidé à la chapelle à 20h30 par ma collègue Florence Feur, que la semaine prochaine, nous allons vivre le culte à Malagnou et avec un peu de malice, j'ai intitulé ce culte « Notre paroisse a d'incroyables talents ». Je ne ferai pas une animation télévisée, je vous rassure, mais bien un culte. Mais je vous invite vraiment à y participer, ce sera un beau moment où nous voulons souligner à la fois la richesse de notre communauté. Ça fait maintenant plus de 4 ans que nous sommes réunis ensemble, que nous avons réussi à donner une belle âme, un bel enthousiasme à notre communauté. Et nous voulons à la fois nous réjouir avec les anciens qui ont toujours été là et toutes ces personnes nouvelles qui ont rejoint notre communauté depuis. Donc ce sera une belle occasion de vivre la communauté ensemble la semaine prochaine. Et puis pour vous dire encore que, évidemment, vous êtes toutes et tous attendus pour l'après-culte que Daniel a préparé, évidemment, avec le soin qu'on lui connaît. Donc n'hésitez pas à rester pour ce moment de convivialité. Merci aussi à Pierre-Édouard pour les lectures, à Christine pour l'accueil, à Clément pour l'orgue ce matin. Merci à tous ceux qui ont rendu ce culte possible, à Mathéo aussi pour la technique. Nous allons maintenant chanter notre dernier cantique pendant lequel l'offrande pour la vie de la communauté est recueillie. Nous chantons au cantique 357, les strophes 1, 4 et 5. Personne ne pourra les arracher de ma main. Quelle parole merveilleuse, Seigneur. Je ne me lasse pas de l'écouter. Personne ne pourra m'arracher de ta main. Ta main forte de charpentier qui rabotait et empoignait les planches et les poutres.
ta main qui a attrapé Simon Pierre, ta main qui a touché les yeux des aveugles, ta main qui a béni les enfants, ta main fraternelle qui a partagé le pain quotidien avec des disciples et multiplié les pains pour la foule affamée, ta main qui a rompu le pain de la Seine le dernier soir. Ô Jésus, mon frère et mon sauveur, prends ma main. Je te donne ma main confiante. Conduis-moi sur le chemin de ma vie. Et si je tombe, pourquoi pas? Tends-moi la main et relève-moi une fois encore. Oui, Seigneur, nous nous confions à toi. Alors nous pouvons aller sur le chemin de la vie, sûrs en ton amour, confiants dans ta proximité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Confiance. Lève-toi, il t'appelle. Amen.